Moi j'ai pas la télé, donc je regarde essentiellement sur internet, soit en streaming, soit sur les sites de replay. J'ai des programmes de prédilection, je regarde beaucoup de jeux, je regarde beaucoup de documentaires sur l'histoire, avec l'info évidemment. Je regarde beaucoup la télé le soir quand je rentre, les émissions sportives. France Télévisions, j'ai arrêté de regarder ça, c'était quand j'étais à l'école primaire, quand je commençais à débuter au collège. La télévision de façon générale, c'est vraiment par intermittence et quand j'ai envie. Et je veux vraiment que ça s'adapte à moi et pas à moi de m'adapter à la télévision. Fidèle à des programmes qu'à des chaînes. Quand il y a des programmes que j'ai envie de voir mais que je suis pas disponible, je vais les regarder en replay. Moi j'aime vraiment bien que les programmes créent du débat, de l'interrogation. Il y a 10 ans, la télé c'était... En fait on la subissait, tandis qu'aujourd'hui on a tellement de possibilités de voir des choses sur internet notamment. Donc je pense que la télé de demain c'est celle qui se ressent finalement sur l'individu et ses besoins vraiment propres. Je trouve ça intéressant de donner son avis pour aider la chaîne à trouver de nouveaux téléspectateurs. Comment moderniser la chaîne sans perdre l'esprit de base. Et c'est, je trouve que c'est une belle mission qu'on nous propose. On se sent utile à ce service public. Je pense que France Télévisions manque de jeunesse, manque de diversité. Moi j'attends ça de France Télévisions, l'innovation. Et d'être en avance vu qu'elle peut se le permettre. On a l'impression qu'il y a besoin d'un vrai renouveau sur le groupe. Qui est vraiment qui est un public qu'on a l'impression d'habituer. On a la chance de se retrouver sur un CCP de jeunes. On se rend compte qu'on n'a pas forcément, en fait, même dans une tranche d'âge similaire, forcément les mêmes programmes, les mêmes envies. On a eu un débat avec Delphine Arnott où on a pu justement lui dire ce qu'on pensait un peu de la chaîne et entendre ce qu'elle avait à nous dire par rapport aux remarques qu'on lui avait faites. Il y a des séries cartonnes sur Netflix, et on les mettrait sur France 2, ça fait un flop. La question pour nous, c'est plutôt comment on fait des séries françaises qui cartonnent. Ah, j'ai trouvé ça bien qu'on puisse lui dire des commentaires autant négatifs que positifs. Sans langue de bois, donc j'étais presque un peu épatée de ça. Allez.